C'est une seule alternative. Soit tu entres et tu te couches, soit tu prends tes bagages et c'est dehors. Je ne rentre pas. Hein? Je ne rentre pas. Sambéni, entre. Je dis non. Sambéni, entre. C'est pas moi que tu vas tuer, papa. Comment te tuer? Papa, ça n'a jamais tué. Sambéni, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez à pareille? Maman, il est arrivé de dehors. Il ne s'est pas lavé. Il ne s'est pas désinfecté. Il veut se chauffer sur moi. Allez, mec, Dieu. Maman, depuis que vous vous êtes avec moi, mon père, vous lui avez jamais refusé le lit. Mais c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais t'as pas ma raison. Quelle raison? Oh. D'accord, va. Allez, mec, Dieu, tu as quoi? Je veux te poser seulement deux petites questions. C'est pour le plaisir où tu veux enceinter ton épouse. Papa, notre dernier fils a déjà 8 ans. Donc, à travers le plaisir, je veux l'enceinter. Donc, c'est pour les deux. Avoir du plaisir et enfanter. Tu sais, avec la pandémie actuelle où tout le monde court dans le pays, admettons que tu enceintais ton épouse et que cet enfant-là grandit. On le voit au marché dans ton pas, par exemple, avec un bâton, mais ce ne serait pas une débandade totale. C'est toujours ça. C'est rigolo. Il faut respecter les règles d'hygiène et de comportement imposées par le gouvernement. Tu es assez grand et tu suis chaque fois à la télé ici. Te laver proprement les mains. Enlever même des fois tes habits, les laisser au soleil avant de rentrer. Une fois rentré, va te doucher. Va à la douche, te doucher proprement. C'est ton épouse. Elle est pour toi. Tu vois, ta femme se protège. On a demandé de porter des masques. C'est ça. Elle a porté. Tout le monde a porté des masques, sauf toi. Papa, je sais tout ceci. Je suis les informations. Au chevet de notre lit, il y a de l'alcool. On peut se désinfecter, faire le plaisir. Non. Ça ne suffit pas. D'accord. Maman, papa, intimez-lui l'ordre maintenant. Venez sous la douche, je serai sous la douche. Quoi? Qu'elle vienne pour me laver. Oh. Je...